Yo yo yo, on a dormi à Toulouse cette nuit, on est parti avant-hier soir de Nîmes. On se fait un petit road trip parce que j'en ai marre de travailler, je fais que aménager ce van qui me prend ma vie. Je mets ma vie à aménager ce van. Et du coup bah là on prend quelques vacances, on va faire des trainings, on va bien s'amuser, on va vers Biarritz là. Et voilà, on va voir ce qu'on va faire, on sait pas encore, c'est de l'impro comme d'hab. On a dormi là cette nuit, il y a tellement de brume. On a dormi sur ce parking, on s'est un peu gelé cette nuit, il fait très froid. On s'est mangé une amende parce qu'on n'a pas le droit de se garer là. Il y a un arrêt préfectoral à cause de la... d'une soi-disant crue, parce qu'il y a la Garonne juste à côté. Là on va aller à Ikea, c'est pas hyper important mais j'espère qu'on va pas mettre notre vie surtout parce que j'aimerais bien le training. Il fait vraiment 0 degré, je me gèle les doigts, j'ai trop mal aux mains. J'espère qu'on va pouvoir s'entraîner, que j'ai envie de m'entraîner. Même si j'ai encore des courbatures de la dernière session. On vient d'arriver sur le spot. Waouh, c'est beau, j'ai hâte de sauter. Il y a une limite de hauteur sur le parking d'à côté, donc on va devoir se garer ailleurs. On ne dérangera personne ici. Et c'est parti pour faire du parcours. Ciao. Oh, j'ai des courbatures aux cuisses. Ouïouïouï. J'ai mes adducteurs en feu et mes cuisses aussi. Il y a un double chat ici. Bon allez, on s'échauffe là. Le soleil s'est levé, ou la brume s'est levée. Ce matin, on s'est les gelé. Là, il fait meilleur. Premier petit défi sur ce spot. Faire sa presse de là à là. Il est tout petit, mais il y a zéro élan. C'est un bon petit défi échauffement. Il y a un autre chat-presse qui est un peu plus loin. Celui-là. Ça part, direct. Le froid, il me nique les mains. Bon, ok, je suis en t-shirt. Noémie veut faire les strides. Alors en fait, c'est pas des strides qu'elle voulait faire, c'était des percus. Et toi, tu me corriges pas. Elle m'a pas corrigé du tout. Challenge suivant, le petit double chat là. Il fait 8 pieds. Faut que je me chauffe encore parce que je me sens vraiment froid, surtout au niveau des avant-bras là. Bon, je me suis mis en t-shirt parce que je me sens plus à l'aise, mais il fait plus froid. Là, il y a un gros bloc casse-couille, c'est-à-dire que là, si je mets mon pied là, bye bye la cheville. J'ai remis le pull, il fait trop froid. Je vais me chauffer en chat-presse et après, on verra le double chat. Mes poignets sont frigorifiés. Je vais faire des petits chats plongés pour pouvoir analyser l'atterrissage sur ce bloc là. Bon, j'ai rien amorti. Et go double chat, c'est parti. J'ai froid aux membres, c'est abusé. Ouais. Allez, c'est easy. Déteste ce rebord. Ah, il m'a niqué les mains. Ouais. Fait trop froid. Trop froid pour faire des doubles chats. Oh, aïe aïe aïe. Je viens d'avoir une sale idée. Là, il y a un Webster Press, il est parfait pour moi. Ça, il est parfait en termes d'appui. Ah, mais merde, il n'y a pas d'élan. Oh non, il n'y a pas d'élan. Bref, faut courir là, poser l'appui là et faire Webster Press jusqu'à là-bas. Ça va être complexe. Sinon, il y a la même config là-bas. Bon, bah, go, je vais faire des preps et ça part. Je vais déjà chercher à atterrir sur le banc qu'il y a là. Trop mal les adducteurs. Il y a Rouco. Ça va mec? Et toi? J'ai des adducteurs. Le adducteur en feu là-bas. Ah le rouge, putain, je veux c'est l'ambulance, putain mais il est énorme. Et ouais gros, c'est la maison. Tu me montres après? Ouais bien sûr. Excuse-moi. Je voudrais pas te déranger, je fais des saltos juste ici. Ça te dérange pas? Non, on a fait une chose. Bon, on se chauffe, on se chauffe. Non problème. Je me mets en t-shirt, je serai plus léger. T'es un t-shirt et nous on est en esquimau. Putain, j'arrive pas. Ah, je suis frigorifié. Mais remettons plus après, non? Ça me
dégomme les adducteurs, du coup je vais rester sur un stick, Webster stick. Ok. Et après j'arrête. Oh, la pointe pointue pointale. Oh, c'était giga pointe. Ça m'a gavé, j'ai pas le stick aujourd'hui. T'as mangé tes meilleurs plats du pire, Raphaël. De ouf. Là. Ok, bon, fin de training free run pour moi là. J'ai les adducteurs, ils sont claqués. J'arrête avant qu'ils claquent vraiment. Est-ce que t'as un endroit stylé pour faire des cannes? Ouais, ben là où potentiellement ce soir vous pouvez dormir. Ok, let's go. Mes adducteurs ils sont morts, j'ai des courbatures aux adducteurs. Une fois je me suis fait une pubalgie, j'ai pas envie que ça recommence. Donc on y va mollo, on écoute son corps. Demain il y a potentiellement un autre training à Urban Corp. Au chaud dans une salle, oui. Au chaud dans une salle et je crois pas que je pourrais faire du free run. Donc ça va faire du ninja. C'est bien le ninja, j'aime bien ça. Dans la prochaine vidéo, on va dans une giga salle de parcours et de ninja. Naturellement, on se lance plein de défis et il y a eu de nombreux échecs. En attendant, abonne-toi pour ne rien louper des prochaines vidéos. La bise, à la prochaine. Ciao.